Waouh, il est super! Oh là là! Ils sont bizarres! Ah, le zoo! Situé en plein cœur de New York. Regardez comme tout le monde a l'air heureux ici! Qui aurait envie de partir? Eh bien, pour être franc, moi! La nourriture, les ballons, les animaux... Eh, tout ça est bien beau si vous êtes un enfant! Mais je suis pas sûr que ma place soit ici! Enfin quoi, j'ai 10 ans aujourd'hui! Il doit y avoir autre chose dehors! Et vous savez quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, je vais le découvrir. Alex! Le lion que je voulais voir! Ça va, Marty? Je sais bien que c'est ton anniversaire! Pas la peine d'en faire des tonnes! J'étais sincère! Je suis content de te voir! Ok, c'est bon, tu m'as eu. Je t'ai apporté un petit truc, mais à cause de mes répétitions, j'ai pas eu le temps de l'emballer. 4 spectacles par jour! Se glisser à chaque fois dans le personnage, ça fatigue, c'est sûr! Ouais, 4 fois par jour. Et avec tout le respect que j'ai pour ton travail et ton truc de manège, c'est loin d'être facile de redevenir moi-même après chaque spectacle. Mais sérieux, mon pote, ça y est, t'as 10 ans! Ça n'arrive qu'une fois! Alors, tu veux que je t'aide à répéter ton numéro? C'est vrai que la présence d'un public m'aide à focaliser mon chi. Reste là, juste là. Parfait, Marty. Reste totalement immobile. Merci. Appuie sur saut pour... Je crois qu'on est prêt pour le grand saut, hein, le roi de la cascade. Ok, vas-y, saute. Trouve tes 3 cartes pouvoir pour qu'on bouge de là. Ah, regardez ça. C'est ces lions pourri gâtés. Montrons-lui qui sont les vrais rois de New York. Quelqu'un a commandé de la béchamel. Tu ne peux pas faire ton numéro avec ces pigeons qui arrosent ton spectacle. Appuie sur attaque pour rugir et les effrayer. Maintenant, montre-leur qui est le roi. Monte sur ton piédestal et prends une pose majestueuse. C'est toi le roi! Ne laisse pas ces rats volants faire penser le contraire! On dirait que mon boulot ici est fini. Tu devrais passer voir Gloria, on dirait que t'as besoin de réconfort. Rien de tel qu'un hippo pour redonner la banane à un zèbre, non? On se voit ce soir à la fête d'anniversaire. Maintenant j'y vais. Peut-être que Melman pourra me remonter le moral. Quels que soient mes problèmes, les siens sont toujours pires. Marty, ça va pas? C'est contagieux? Non, ça va pas. En fait, je me sens juste un peu... Oh, ça va bien pour moi. À part les microbes, bien sûr. Oh, et puis, il y a les parasites aussi. Et le fait que j'attends mes médicaments depuis... bientôt... 38 minutes. Oh, Marty, ça y est, c'est la fin. Comment peux-tu supporter ça? Ok. On se voit plus tard, Melman. Bon anniversaire, Marty. Merci, Glo. Écoute, ma grande, on l'a fait cette course ou on reste là, angoissé toute la journée? Elles veulent courir contre toi? Ouais. Est-ce qu'elles savent pour... Non. Alors elles y croient? À fond. Vous avez entendu le zèbre? On va pas rester là à se croiser les bras. De toute façon, nous n'avons pas de bras, mais si tu es prête pour une course, on accepte le défi. Marty, tu fais l'arbitre? À vos marques, prêts? Est-ce que j'ai dit de bouger? Je ne pas à l'aise, Blaise! Bon, peut-être pas si à l'aise que ça, mais l'important, c'est que tu as battu ces cervelles d'oiseaux. Bravo, Glo! On dirait que mon boulot est fini. Je vais à nouveau me retrouver sur le carreau. Oh, Marty, ne te laisse pas abattre. Oh, les cœurs, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que vous faites? C'est top secret. Top secret? Pour qui? Vous m'avez juste l'air de traîner autour d'un trou dans le mur. Pas du tout. Nous sommes au milieu d'un entraînement pour une mission secrète. Il s'agit de former le soldat ici présent à l'art ancestral de la pêche. Maintenant que j'y pense, ça n'est pas si secret que ça, en fait. Tu veux regarder? Bien sûr. C'est mieux que tout ce que j'avais prévu. D'accord, soldat. Il est temps de montrer ce que tu sais faire. Bouge ta canne à gauche et à droite. Pour lancer l'hameçon, maintiens action enfoncée. Et pour remonter le poisson, relâche action. Regarde en haut et en bas pour contrôler la distance à laquelle tu lances l'hameçon. Simple, non? Voyons voir ce que tu attrapes. C'était une excellente pêche. Tu as terminé ton entraînement. Ces pingouins manigancent quelque chose. Je me demande si Melman est assez calme pour discuter maintenant.
Ça va, Melman? Marty, j'ai oublié de te souhaiter un bon anniversaire tout à l'heure. Je suis trop occupé par mes problèmes. Mes exigences hygiéniques ne sont pas respectées. Et alors? Je ne suis pas vétérinaire. Mon équipe de désinfection biologique est en retard. Encore. Ah, le petit personnel. Et ils sont syndiqués en plus. Impossible de se plaindre. Et tu n'as jamais pensé à nettoyer ta cage toi-même? Je n'imaginais même pas que tu avais une équipe de désinfection. Mais si, mais si. Mais c'est vrai que je pourrais essayer de nettoyer moi-même. Je n'ai pas peur d'un peu de poussière. Enfin, l'équipe de nettoyage. Et regarde, Marty. Regarde, regarde. Ok, je ne douterai plus de toi, Melman. Inutile de te rappeler de ce que je viens de dire. Je suis très inquiet. Ces saletés ont pu affecter mon système immunitaire. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Tu devrais t'inquiéter de ton état mental, plutôt. Le zoo nous rend tous dingues. Il faut que j'aille dans le monde sauvage. Merci, Melman. Il est temps de retourner chez moi et de manger de ce délicieux fourrage pour le déjeuner, le dîner et le dessert. Psst, Marty! Qui c'est? J'ai entendu des rumeurs à propos d'une éventuelle envie de t'évader de ta prison de briques. Tu peux me redire ça? En clair? Tu veux sortir? Oh, oui, c'est vrai. Bienvenue à bord du Freedom Express, mon ami Monochrome. Je suis ici pour te faire sortir. Tout ce que tu as à faire, c'est rester près de moi et ne pas paniquer. J'ai juste une question. Si on veut sortir d'ici sans se faire remarquer par les gardiens, pourquoi tu hurles? C'est une excellente question, l'oreiller. J'y reviendrai plus tard. Voilà la situation. Le zoo est entièrement bouclé par une série de portes verrouillées. Chaque clé ouvre la porte correspondant à l'icône de l'animal. Utilise les clés sur les terminaux pour ouvrir la porte. La première porte à ouvrir est la porte autruche. La clé autruche est dans la cahute du balayeur, mais pour y aller, il faut ramper dans un espace étroit. Tu ne sais pas ramper, mais ça peut s'arranger. Trois de nos agents ont introduit clandestinement des cartes pouvoir. Ils te les donneront chacun à leur tour. Récupère les trois cartes pour pouvoir ramper dans la cahute et prendre la clé. Salut! Est-ce que c'est le moment de faire mon tour spécial? Darnell conserve une carte pouvoir bien à l'abri dans son ventre depuis plusieurs jours. Le plan, c'est de lui faire cracher. Ensuite, il en faudra encore deux pour acquérir ta prochaine capacité. T'es sûr qu'il va la rejeter par la bouche, hein? On l'espère en tout cas, Marty. Bon, ok, on y va! Salut Nick. Le commandant m'a dit que t'aurais un petit quelque chose pour moi. C'est exact! C'est ce qu'il te faut! Je t'écoute! Les gardiens ne te verront pas si tu évites leur lampe torche! Bon à savoir! Merci! Tu t'évades dans le monde sauvage alors? T'as tout compris! Bien! Tu as la deuxième carte pouvoir. Donne un coup de patte dans ces portes pour qu'on puisse aller voir le rhino et la cahute du balayeur. Salut, je cherche... Ça va? Ouais mec, ça roule. Génial. Le truc c'est que j'ai cette corne, tu vois. Et alors je dois charger encore et encore. Et je ne charge rien en fait. Je n'ai aucun but précis. C'est juste l'instinct. J'ai pas le choix en fait. Ça reste un peu compliqué pour moi. Oh, c'est pas grave, je sais pourquoi t'es là. Tu veux une carte pouvoir. Et la voilà. La prochaine clé dont tu as besoin se trouve dans le secteur oiseau. Tu peux y parvenir en rampant dans un tunnel situé de l'autre côté de cette cour. Je te retrouverai là-bas. Tu pourrais utiliser ces poubelles à ton avantage. Envoie-les d'un coup de patte vers ces crétins de gardiens et regarde le spectacle. Oui, et tu pourrais essayer de trouver une précieuse carte clé dans le secteur oiseau à côté. Il y a un trou à l'autre bout de la cour, près de la porte, dans lequel tu devrais pouvoir passer. Essaie de ramper à travers. Nous devons ramper dans ce petit espace, là où se trouve le gardien. Débarrasse-toi de lui pour qu'on puisse entrer dans le secteur oiseau et récupérer la clé singe.
Hé, hey, l'oreiller, j'ai enquêté en toute discrétion et j'ai découvert que tu peux utiliser ces chariots pour éliminer un gardien ou activer une borne sonore. Un coup de patte rapide devrait faire l'affaire. Ne dis rien, ne dis rien, on me les a toutes faites. Toutes faites? Quoi donc? Très drôle. Oui, mon nez est un cap, une péninsule, etc. Et oui, je le vis très mal. C'est un problème médical qui menace mon espèce à différents niveaux. Oui, je vais me faire refaire le bec. Et sache que je ne vais pas manquer de noter chacun de tes défauts. Du calme, l'ami. Je me moque pas de ton nez. J'essaie juste de sortir d'ici sans me faire remarquer par les gardiens. Bon, si tu n'es pas ici pour ruiner le peu d'amour propre qu'il me reste, sache qu'en donnant un coup de patte dans ces bornes, tu activeras des bruits de safari. Les gardiens devront alors quitter leur poste pour venir voir ce qui se passe. Très bien. La prochaine étape consiste à ramper dans ce tuyau et... Oh, je crois que j'ai fait une légère erreur d'appréciation. Mais je n'ai jamais prétendu être un expert en tuyaux. Par contre, je connais très bien les singes. Alors va parler à ceux qui sont dans cette cage pour qu'ils nous aident à sortir de là. Je croyais que les singes, justement, c'était ton rayon. Il y a eu quelques tensions dans le passé, au cours d'une de mes opérations spéciales. Il vaut mieux que tu leur parles. Pendant ce temps, je vais passer par le tuyau et je te retrouverai de l'autre côté. Toi, tu te diriges vers un grand danger, mon ami. Qu'est-ce que tu racontes? Le chasseur du zoo, ce dingue qu'ils ont engagé pour surveiller la nuit. Quand tout le monde est parti, il se fabrique une barricade avec des bottes de paille devant la porte principale. Et fais attention à ces tranquillisants très puissants. Il faut rester discret si tu veux pas roupiller en moins de deux. Compris. Merci l'ami. Et moi alors? Je peux pas flotter? Tes ballons ne sont pas assez gros! C'est là que nos chemins se séparent, jeune recrue. C'est triste de t'abandonner comme ça, mais c'est la dure réalité de la guerre. Dis-moi au moins comment sortir d'ici! Le balayeur là-bas près de la porte principale a certainement la clé. Passe par la porte principale. Ah, la liberté! Quelle sensation délicieuse! On se retrouve de l'autre côté! Wow! Comment as-tu pu te libérer? Combien de fois je leur ai dit qu'il fallait renforcer la sécurité du zoo? Ils n'ont pas le budget qu'ils disent. Messieurs en formation, ce zèbre essaye de se faire la belle. Bon, j'ai la clé de la porte principale, donc il devra forcément passer par moi. Tu es fait, le zèbre. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici, mais tu ne sortiras pas de ce zoo. Raté! Tu pensais vraiment m'avoir avec un de ces chariots? Allons, soyons réalistes. Je ne te laisserai pas passer et tu ne sortiras pas de ce zoo. Tu es coincé ici, espèce de stupide animal de zoo. Oh là là! Vous allez pas vous en sortir comme ça! Mais qu'est-ce que... Ça doit certainement être par là. Hein? Ça sent le zèbre. Ça pourrait être n'importe quel zèbre. Allez les gars, Marty ne doit pas être bien loin. On doit aller à la gare centrale avant qu'ils ne montent dans ce train. Je veux rentrer. Et s'ils essayent de me caresser? Du calme! Vous êtes avec le roi de New York!
Les gens m'adorent ici, tout va bien se passer. Ok, séparons-nous les amis. On sera plus efficace comme ça, on se retrouve là-bas. Ah, la fine fleur de New York. Vous en avez mis du temps. Vous n'avez pas vu un zèbre? On dirait qu'il est féroce, les gars. Préparez vos paralyseurs. Officier touché, vite, envoyez des renforts. Rien trouvé? Moi non plus. Mon intuition féminine me dit que la gare centrale est par là. On se retrouve là-bas? Comme tu veux, Glo. Mais fais vite! Gare centrale, nous voilà! Gloria, Alex! Je crois voir les plaques d'identité de Marty. Il a dû les enlever! Vraiment? Où ça? Eh bien, juste par là. Super! Montre-nous le chemin! Tu es sûr? Ok. Marty, qu'est-ce que tu fabriques? Mais t'as quoi dans la tête? Et où tu vas comme ça? Dis-moi! Ouais, explique-toi, le zèbre. Ouais? As-tu la moindre idée de l'état de mes sinus après avoir couru dans toute la ville? Hein? Eh? Et qui sont ces gars? Relax, ce sont juste des policiers. Avec des casques? Et des troncs qui lisent... Je veux dire... Évidemment, on s'attaque au lion en premier. Faudrait voir à pas m'énerver. Sinon, je vais botter... Les gars, j'espère que ces aiguilles sont stérilisées. Melman, c'est vraiment pas le moment de... Aïe! Eh bien, Marty, j'espère que t'es content maintenant. Ça se pourrait bien, oui. C'est peut-être un chouette moyen de se faire attraper. Le genre où on vous emmène dans des superbes endroits, avec plein de cadeaux et des chansons. Pourquoi t'es toujours pessimiste, Alex? Ah ouais, un chouette moyen. Ouais, c'est sûrement la caisse la plus extraordinaire dans laquelle on m'a jamais enfermé. Je plains vraiment ces andouilles en première classe. Écoute, je crois que je n'ai forcé personne à me suivre dans cette aventure. Est-ce que vous pourriez arrêter? Ça ne soulage pas ma sciatique. Vous allez arrêter de ronchonner, oui. Essayons de rester positif et constructif. Ah, je sais, je vois quelque chose avec mon petit œil et c'est noir. Oh, c'est vraiment génial! Chut! Mais je... Chut! Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était pas moi! Ok les gars, maintenant que nous sommes sortis de nos cellules, passons à l'objectif suivant. Et c'est quoi l'objectif suivant, commandant? Tu vas plus vite que moi, soldat. Détourner ce bateau vers l'Antarctique me semble un bon plan. Quelqu'un a une autre idée? Personnellement, je neutraliserais bien le capitaine et l'équipage du bateau. Oui, c'est un peu ce que j'entendais par détourner le bateau, Kowalski. Les gars, restez là et protégez la forteresse pendant que je pars en éclaireur. Attendez mon signal pour y aller. Il faut partir en éclaireur pour trouver un point de ralliement et nous rappeler. Il faut partir en éclaireur pour trouver un point de ralliement et nous rappeler. On y va, et on fonce. Ouais. 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 On doit monter jusqu'à ce manche à air. Hein? C'est quoi ce bruit? Oh! Ça recommence! Notre plomberie a des problèmes! Ah, je vais pas nettoyer! Il faut prendre la salle radio ou mourir au combat! Ouais! 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 Ça y est, les gars, nous touchons au but. Allons-y.
Hé, pas si vite! La partie est finie pour vous, les canards! Il nous a appelé canards? Chargé! Le butin revient au vainqueur! À nous la gloire! Surtout à toi, Rico! Oui, bien joué! Et après, commandant? On a fait le plus gros. Il ne reste plus qu'à prendre les commandes du bateau et naviguer jusqu'en Antarctique. Où suis-je? Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Marty! Melman! Gloria? Maman? Ça doit être notre nouveau zoo. Ça a l'air de manquer de personnel, en tout cas. Je parie que c'est le zoo de Californie. Tout le monde doit être en train de surfer ou de faire du yoga ou... Hey, mais attendez, c'est la caisse de Marty! Il doit être ici, ou perdu en mer à jamais. Choisissons la première option. Je ferai bien de le retrouver, et les autres aussi. Il y a peut-être un bottin quelque part. Enfin quelqu'un qui parlait. Pardon, j'étais juste... Oh, comment oses-tu approcher en douce pour tenter de voler mes précieuses perles, le gros chat mal léché? Ok. Tout d'abord, je sais qu'ici, à San Diego, on n'a pas les mêmes mœurs. Mais chez moi, quand on s'approche en douce de quelqu'un, ce n'est pas vraiment la meilleure méthode pour lui parler en tête-à-tête. C'est vrai. Ok. Content de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Écoute, je dois retrouver mes amis. As-tu vu des nouveaux venus? Des géants? Oui, je les ai vus. Va sur la plage et trouve-moi 6 nouvelles perles toutes brillantes pour ma collection. Après, on verra. Trouve ces perles, le lion de mer. Joli travail! Maintenant dégage! Et notre marché? Tu devais me dire où je pouvais trouver mes amis! Je crois les avoir vus près de la cascade. Maintenant fiche le camp! Il fait chaud ici. L'air conditionné doit être en panne. Je dois en parler à quelqu'un. Hé! C'est Marty? Marty, par ici! Il ne doit pas m'entendre. Il faut que je monte là-haut. Hé, hey, salut la grosse bête. Comment... Ah, tchou! Comment... Ah, tchou! Maudit rhume des foins. Il y a des jours avec et des jours sans. Comment est-ce qu'une abeille peut avoir le rhume des foins? Oh, c'est idiot, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de pollen, mais pas de fleurs pour le mélanger. Tu en as vu? Des fleurs? J'en ai vu plein dans ce zoo. As-tu aperçu par hasard un zèbre, un hippopotame et une girafe, qui a sûrement le rhume des foins aussi? Non, très cher. Mais si tu conduis 3 de mes essaims jusqu'aux fleurs, j'enverrai des bourdons à la recherche de tes amis. Ça me va. Enfin un peu d'entraide. Oh, merci beaucoup, mon chou. Un de mes bourdons croit se rappeler avoir vu tes amis marcher sur ce chemin par là-bas. Excuse-moi, tu aurais pu passer un zèbre par ici? Ah ouais, les gars tout rayés. Oui, c'est lui! Tu sais où il est allé? Il cherchait un truc appelé réception, et puis il s'est enfoncé dans la jungle. Il avait l'air très pressé. Je ne le rattraperai jamais à cette allure! Si tu étais plus petit, je t'y amènerais en volant. Mais là, j'ai besoin d'aide. Tu veux pas rester ici et surveiller mes champignons pendant que je vais chercher mes amis? Bien sûr! Parce que... Tu vois ces cafards là-bas? Quand je vais partir, ils vont essayer de me voler tous mes champignons. Si tu réussis à en protéger une bonne partie, je t'aiderai.
Où est passé Melman? Il était juste derrière nous. Alex! Marty! Gloria! Ça a touché ma tête! Du calme! Qu'est-ce qui t'a touché la tête? En fait, je ne sais pas. Mais il faisait noir et quelque chose a touché ma tête! T'es plutôt grand dans ton genre, tu sais? Oh! Chut! Les gars! Vous entendez ça? Regardez par là! On aurait dit des cafards poilus. Ils sont peut-être allés se coucher, eux. Tu vas au lit en criant, toi? Presque toutes les nuits. On sait! Coucou! Y'a quelqu'un? Non! Ça, c'est bizarre. Tu penses qu'ils m'ont cru? Morte, tu ne crois pas que si tu dis que t'es pas là, ça prouve que tu es là? J'ai pas compris. Tu crois qu'ils sont gentils? Je ne sais pas. Je serais très heureuse s'ils étaient gentils. Oh, vraiment? Oui, je serais vraiment très heureux. Qu'en penses-tu si je te dis que j'ai un plan pour savoir s'ils sont gentils? Ça serait chouette. C'est quoi le plan? Wow! Ah, qu'est-ce que c'est? Il est mignon. Faire mal à moi, pas... Oh non, un masochiste! Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Salut. Comment tu t'appelles? On n'est pas sorti de l'auberge. Que se passe-t-il? Ils ne l'ont pas encore mangé, je crois qu'il n'y a pas de danger. Super! On va faire un comité d'accueil pour les accueillir. Vous n'allez pas me manger? Mais pourquoi donc on te mangerait? Excellente question, et je vais y répondre. Mais pourquoi quelqu'un voudrait manger morte? Parce qu'il est très agaçant, votre majesté. Parce qu'il est très... Non, c'est pas ça, c'est autre chose. On est des lémuriens, et les fossas nous mangent. On est des fossas, et les fossas mangent les lémuriens. Les fossas, où ça? Ah! Non, je voulais... Enfin bref, nous vous souhaitons la bienvenue, géant qui n'allait pas manger morte. D'où venez-vous? De New York. Dans quel zoo sommes-nous? Zoo? Je ne crois pas connaître ce mot. C'est une expression de New York? Cette île où nous vivons s'appelle Madagascar. Madagascar? Marty, tu sais ce que ça veut dire? Tu es dans le monde sauvage. Tu as réalisé ton vœu, Marty. Hé, hey, t'as raison. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, le monde sauvage. Incroyable! Attendez, vous êtes qui, vous, déjà? Je suis Julien, le roi de tous les Lémuriens, et voici Maurice. Et on est le comité d'accueil. Alors, bienvenue, géant de New York! Excusez-moi, j'ai cru remarquer que certains de vos sujets hurlaient en entendant le mot « fossa ». C'est quelque chose qui devrait nous faire hurler, nous aussi? Les fossas, ce sont les ennemis jurés des Lémuriens. Le problème, c'est que les fossas aiment nous manger. Ça ne me plaît pas du tout. À quoi ressemblent ces fossas? Ils ressemblent à... ça! Ils ont l'air un peu affamés, non? Hé! Hey, je perds à nouveau mes amis! Attendez-moi! Ne t'inquiète pas, nous les retrouverons plus tard. Pour l'instant, nous devons trouver une cachette en attendant la fin de ce désagrément. Désagrément? Ces fossas ont l'air plutôt féroces. Suis-nous, il y a un passage secret sous le baobab. Allons-y. Ok, ne me refaites plus jamais ça. Alors, on va où les gars? Suis-nous, Marty, une nouvelle fête nous attend. Je ne sais pas si vous êtes simplement naïf ou complètement inconscient.
Il y a un peu trop de vent ici pour des petites créatures comme nous. Ouais, j'ai remarqué. J'ai peur que d'autres lémuriens soient coincés dehors. Peux-tu affronter le vent pour les sauver? Moi? Mais il fait froid dehors. Oh oui, mais t'es assez gros pour résister aux rafales de vent, à condition que tu t'abrites derrière ces barrières pendant la bourrasque. Tous ces petits gars sont en sécurité. Mais où sont passés tous les autres? Ah! Encore séparés! Zut! Je vais devoir demander mon chemin aux gens du coin. Pardon, monsieur. Vous parlez français? Ouh, apparemment non. Je ferais mieux de m'en aller et d'essayer de retrouver les autres. C'est dommage, ça avait l'air d'être une jolie station balnéaire. Hé, les gars! Vous n'auriez pas vu mes amis? Ils ont dû aller plus loin, là où la fête a été délocalisée. Et où c'est exactement? Je ne suis pas encore sûr. Avant de les chercher, il faut prendre en compte plusieurs choses. D'abord... Waouh! Un chemin direct qui semble tout à fait sûr! Allons-y! Les gars, je crois qu'il va falloir se montrer prudent par ici. Il y a de dangereux... Je ne veux pas entendre la fin des phrases. Maintenant, allons-y! Vaut mieux ne pas discuter avec lui. Non mais sérieusement, il y a ces trucs pleins de dents et de griffes tapis dans le coin. Comment vous les appelez? Fossa? Le roi proclame officiellement la... panique! Le roi a parlé! Ok, le lion va montrer ses crocs. À moi les Fossa! Il manque un ou deux de mes sujets lémuriens. Ils sont peut-être en train de faire des courses pour leur merveilleux et bienveillant roi. Ouais, c'est sûrement ça. Oui, oui, et maintenant, rentrons au village pour célébrer la victoire! Bienvenue, géant de New York! Vous tombez bien! Nous préparons un grand festin avec des carottes, des champignons, des ananas, des oignons et en dessert, un gâteau à la pastèque. Mais on n'a rien de tout ça. C'est pourquoi on va faire appel à nos serviteurs dévoués. Le problème pour préparer le festin, c'est que pendant l'attaque des fossas, nos réserves de nourriture ont été anéanties. Il y a toujours un problème. Ça va être une sacrée fête. Sans nourriture. Vous pourriez nous trouver de la nourriture de base. Ça a l'air dangereux. Alors vous pourriez ramasser des fruits et des légumes à la place? Ça, on peut. C'est entendu alors. Utilise les totems pour passer le relais à un de tes amis. Chacun possède des capacités pour faire des tâches différentes. Oh, et encore une chose. Pour savoir où chercher les plats du banquet, revenez me voir et je vous donnerai des indices. Les carottes géantes adorent pousser dans ce jardin. Mais ces maudites taupes les déracinent avant qu'elles ne soient mûres. Tu dois écraser les taupes dès qu'elles se montrent à la surface, d'accord? Ça me va. Super! Montre-leur que ton derrière est le plus fort et tu récolteras les fruits, les légumes de ton labeur. Tu es la meilleure! Bonne chance, Gloria! De quoi tu te mêles? Tu me le paieras! T'en as pas fini avec moi! T'as renvoyé cette taupe dans son trou! Voici ta récompense, Gloria! Je voudrais attirer ton attention sur le champignon que tu vois pousser ici. Très délicat et très goûtu, il est à tomber. Évidemment, il est très rare et ne pousse que dans des conditions très spéciales. Pour qu'il grandisse, il faut que tu reproduises avec précision ses motifs colorés. Reproduire? Tu dois reproduire la séquence colorée pour que le champignon pousse. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce jeu me rappelle quelque chose. Oh, mais ce n'est pas un jeu, cher ami inculte. C'est de l'art. Bien, allons-y. Bravo, il n'y a plus qu'à ramasser tout ça. Melmad, par le gros petit pois, tu es là. Et tu peux donner des coups de tête? Oh, c'est bien ça. J'ai peur de demander. Ces cafards, essaye de voler nos noix pour le milkshake aux noix. Je dois m'en débarrasser. Mais je suis trop petit. Oh, ces insectes m'énervent tellement que je pourrais les écrabouiller
et leur crier dessus. Alex ne peut pas s'en charger. Les autres géants de New York les ont effrayés un moment, mais ils reviennent. Mais toi, tu peux nous aider. Les cafards n'ont pas peur de toi parce que t'as peur d'eux. Avec tout ton courage, tu peux les laisser s'approcher et leur donner un coup de tête. Mais tu l'as dit toi-même, j'ai peur d'eux. Alors tu peux rester au milieu du tas de noix et elles feront comme une barrière protectrice. Ouais, c'est ça. Et puis tu écrases les cafards avec ta tête quand ils approchent. Bon, oh, c'est immonde. Bon, tu veux du milkshake aux noix ou pas? C'est très très bon, tu sais. D'accord, je vais le faire. Dis, c'est du yoga ce que tu fais? J'essaye juste de prendre ce fruit et... Oh, mon cœur s'embrase. Je te demande pardon? Je suis Wilbur, et tu es la plus belle créature que j'ai jamais vue. Fiançons-nous? Oh, pitié! T'aurais plus de chances d'arriver à cueillir le fruit. Là, ça ne s'annonce pas bien. Je n'arrive pas vraiment à le soulever parce que je me suis blessé au genou en faisant un truc très impressionnant. Dis, tu pourrais m'aider à écraser ces pastèques pour mon célèbre gâteau à la pastèque? Qu'est-ce que ça me rapporte? Je peux t'en faire un pour que tu l'apportes à ta super fête. Ça marche. Ok, super. Et il faut vite écraser ces pastèques car elles mûrissent à toute allure. Sinon, elles vont pourrir et je n'utilise que des fruits frais. Désolé bébé, mais on a échoué. Et utilise ton déhanchement et ton derrière sur les pastèques la prochaine fois. Tu as réussi? Ah, c'était de la poésie en mouvement. On devrait vite organiser un autre rendez-vous galant. Encore un rendez-vous, Wilbur? Ouais, mais là, je dois faire le gâteau à la pastèque que je t'ai promis. À plus tard. Oh, oh, rebonjour, mon ami gigantesque. Je suis ravie de te voir. Hélas, je ne peux pas voir grand-chose d'autre, car il semble que j'ai égaré mes lunettes. Veux-tu être un amour et me conduire aux plantes fruitières qui ont besoin de ma pollinisation? Ravi de te revoir également, et oui, je serai très heureux de t'aider. Oh, je n'en doutais pas. Tu es un si gentil garçon. Maintenant, je dois butiner les plantes dans un ordre très précis au fur et à mesure de l'éclosion de leurs fleurs. Alors, sois attentif, rapide et précis en me guidant. D'abord, nous devons aller à la plante pourpre empourprée toute proche. Ah, alors tu veux me défier au saut, c'est ça? Tu crois pouvoir sauter plus loin que moi, c'est ça? Je n'ai jamais parlé de concours de saut. On ne s'est même jamais rencontrés. Mais, puisque t'en parles, ouais, je crois que je peux sauter plus loin que toi. Ah, alors qu'est-ce que tu dirais d'une petite compétition, hein? Si tu me bats, je te donnerai des fruits de grenouille. C'est un super cadeau, ça. Et, bien sûr, si je gagne, je dirai quelques mots bien sentis, juste pour t'humilier. Ça me semble un bon marché. Voyons ce que tu vaux, petite grenouille. La prochaine fois, tu y penseras à deux fois avant de défier une grenouille au saut, pas vrai? Je t'ai peut-être sous-estimé, le zèbre. Tu as la pêche, oui, ça c'est bien vrai. Mais c'était seulement le premier saut. Voyons si tu réussis le suivant aussi bien. Je vais te confier un petit secret, mon ami. Tu n'as toujours pas vu mon meilleur saut pour l'instant. Je t'ai ménagé jusqu'à présent, c'est ça? Mais ça va changer maintenant. Ah, il semble que je t'ai mal jugé, étranger. Tu es sacrément en jambes. Oh, tu mérites un peu de fruits de grenouille pour tes efforts, et je suis là pour t'en donner. Dans cette caverne, les oignons de grotte mûrissent. Récolte-les vite, sinon les araignées vont les prendre. Les araignées? Il nous faut beaucoup d'oignons de grotte pour le sublime délice d'exquise friture. C'est beaucoup? Ne lambine pas! La saison de la récolte ne dure pas longtemps. Tu as réussi! Tu as ramassé assez d'oignons de grotte pour le sublime délice d'exquise friture! On va faire la fête des jours entiers! Le gueuleton! Le gueuleton! Le gueuleton! Le gueuleton! Il semble un peu trop heureux. Merci, géant de New York, de nous avoir aidés à trouver tous les ingrédients pour réaliser les délicieux plats que nous allons vous servir à notre super génial banquet.
Pour vous remercier, nous aimerions vous donner... la clé de la jungle. Sire, il n'y a pas de porte de la jungle et encore moins de clé. Qu'est-ce qu'on peut leur donner alors? C'est un banquet, donnez-leur à manger. Oh, bonne idée! Vous savez, en fait, cette clé de la jungle, c'est un vieux truc. À quoi ça vous servirait de toute façon? J'ai changé d'avis. Je vais finalement vous offrir plein de nourriture à notre banquet. Je pensais qu'on l'aurait eu de toute... Merci beaucoup. Ouais, merci. Hé, hey, Melman, tu as vu Alex dernièrement? Il n'a pas l'air très bien. Oh, ciel. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que l'un de nous attrape une maladie exotique et ne la refile aux autres. Oh, nos corps ne sont pas adaptés pour survivre dans cet environnement. Tu comprends, Gloria? Nos corps ne sont pas adaptés! Melman, il faut que tu te calmes. Je ne pense pas qu'Alex ait attrapé une maladie. Je crois qu'il a juste vraiment très faim. Tu as remarqué qu'il n'a rien mangé durant le banquet? Ah ça, oui, j'ai remarqué. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas trouvé d'arbre à Romsteak. Quand on en trouvera un, hein, il mangera comme un mouton atteint d'entérotoxémie. Sauf qu'il ne devrait pas mourir après. Ah oui, d'accord. Sauf que les arbres à Romsteak n'existent pas. Oh, maintenant je recommence à m'inquiéter. Et ça, ça peut provoquer une encéphalomyélite équine, ou EME, pour faire court. Melman, tu n'as pas d'encéphalo quadrupédo machin. Il faut juste qu'on trouve un moyen pour qu'Alex mange un steak. Il y a Maurice là-bas. Tu pourrais peut-être lui demander de l'aide. Melman, grâce au ciel, tu es là. Dites, vous avez des arbres à Romsteak dans cette jungle? Désolé, mon ami, mais je n'en ai jamais entendu parler. Mais si on avait ce steak dont tu parles, il serait sûrement sur ce grand baobab. Malheureusement, l'arbre est infesté de vers de baobab. Et si tu nous aides à sauver l'arbre, tu pourras peut-être trouver ton steak. Ouf! Je ne suis pas assez grand pour voir ces... Non, des vers! Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'ils étaient si affreux? Si tu me laissais parler, Melman, tu peux éliminer ces vers et leur nid en planant jusqu'à ces plateformes champignons autour de l'arbre. Tu peux leur lancer des noix de coco fournies par les chauves-souris. Mais on dit que les vers et les nids sont venimeux. Mon corps ne supporte pas les toxines. Alors ne les touche surtout pas. Bonne nouvelle, Melman. On a trouvé la colonie principale de vers de baobab. C'est une bonne nouvelle, ça? La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé. La mauvaise, c'est qu'ils se reproduisent à toute vitesse. Il faut les stopper, vite! Oh, c'est horrible! On dirait qu'il y a toute une armée de ces immondes vermines là-bas! Exact! Et c'est là que tu interviens. Cette fois, au lieu de lancer des noix de coco, il va falloir que tu lances ces durians sur les vers et leur nid. On compte sur toi, Melman! Allons-y, c'est parti! Presque fini! Maintenant, tu dois descendre à terre et liquider les derniers avant qu'ils ne s'échappent! Melman, t'as réussi! T'es notre héros! Une performance des hauts vols! C'était vraiment grandiose! Melman, c'est incroyable! Depuis quand t'es un héros? Tu as été extraordinaire! J'imagine qu'une autre petite mission! Eh, c'est mon tour! De quoi s'agit-il? Tu te souviens de cette taupe incontrôlable au banquet? Elle a décidé de s'installer avec ses amis sous notre jardin, et elle le détruise! Voilà la situation! Je me démène comme un dingue à entretenir ce jardin de piments et ces taupes n'en ont rien à faire. Tu crois que tu peux m'aider? Je suis partante. Que dois-je faire? Ok. Ces sales bêtes sont de trois couleurs. Les... Tu écrases ces vermines et je te donnerai un point pour les noirs, deux pour les marrons et trois pour les méchantes grises. Si tu obtiens assez de points, on en tire la hache de guerre. Revue-toi, Gloria, d'accord? Recommence! Revue-toi, Gloria, d'accord? Recommence! Vous avez vu votre ami Alex dernièrement? Alex? Ah oui, oui, il est là-bas. Non, mais vous avez vu dans quel état il est? Je me sens pas très à l'aise. Oh, mais vous avez l'air délicieux ce soir. Vous aimeriez venir dîner? Ça ne me dit rien de bon. Je vais chercher Marty. Melman, nous devons traverser cette vallée jusqu'à la grotte là-bas, si on veut rattraper les autres.
Alex semble avoir développé une obsession un peu malsaine à ton sujet, Morte. Ah, tu crois? Ton truc de l'hélicoptère pourrait s'avérer utile. Si tu peux me transporter d'une plateforme à l'autre, on évitera ton ami cinglé. Ça semble faisable, j'espère. Reste bien en l'air et ne tombe surtout pas par terre. Ou alors, disons que tu ne veux pas savoir ce qui se passerait. D'accord. On a réussi. Pouh, si on n'était pas resté au-dessus du sol, je crois que c'était cuit pour moi. Ouais, je suis inquiet pour Marty et Gloria qui sont en bas. Je suis moins inquiet. On dirait que votre ami Alex a finalement retrouvé sa nature de prédateur. Hein? De quoi parles-tu? Alex est un lion, et les lions mangent les autres animaux. C'est de là que viennent les steaks. Je pige toujours pas. Et comme ça, tu comprends? Alex m'a mordu l'arrière-train, tu vois? Ouais, ça c'est une morsure dans l'arrière-train. Si on ne veut pas finir en steak, il faut partir. Gloria, dis au gamin de se calmer et de la fermer. Melman, boucle-la, tu veux? Ok les gars, il faut qu'on quitte cette île avant de devenir tous cinglés. On doit reconstruire la balise de détresse d'Alex pour pouvoir partir. Qui a parlé de balise de détresse? Je peux m'en occuper si vous voulez. Vraiment? Wilbur, je t'embrasserai bien, mais je me suis déjà lavé aujourd'hui. Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. D'accord. Commençons par la mauvaise. La mauvaise, c'est que votre balise de détresse a brûlé. On sait, on est coincé sur l'île des cannibales. Mais là en sourdine, dis-nous la bonne nouvelle. Il y a des matériaux pouvant servir à construire une nouvelle balise dispersée sur la plage. Si vous arrivez à tous les trouver, je connais des lémuriens qui pourraient les assembler. Et Gloria, alors ce bisou? Et si on construisait cette balise d'abord? Melman, nos éclaireurs ont repéré une pièce cruciale pour la balise de détresse. Elle se trouve sur ce rocher, là-bas. Et je pense que tu as la jugeote qu'il faut pour nous aider. La jugeote? J'ai la jugeote? Oh non! Je vais mourir! Non, Melman, calme-toi. Jugeote, ça veut dire intelligence. Oh! Ouf! Je n'ai jamais aimé les mots en hotte. Ça porte malheur. Bref, le plan, c'est que tu utilises ton immense coup pour lancer 3 lémuriens sur ce rocher. Une fois qu'ils seront là-haut, ils devraient pouvoir apporter la balise. Eh bon cœur, j'ai un petit souci avec ces crabes. C'est trop. Ils n'arrêtent pas de me passer. Et même si c'est dur à croire, je ne suis plus aussi rapide qu'avant sur ces sabots fendus. Tu peux peut-être les écraser pour moi? Si ça me permet de trouver un morceau de balise, j'écrase ce que tu veux. Si tu en écrases suffisamment dans le temps imparti, tu auras un morceau de balise. Et tu pourras aussi rester en tête à tête avec moi. Joli travail! Et si on parlait de nous maintenant? Ah! Hé! Hey, rebonjour! Je crois qu'une pièce pour la balise se trouve dans une de ces caisses. Et si on exploitait cette alchimie qui nous lie pour ouvrir ces caisses ensemble avant que la marée ne monte et ne les emmène au large? Oh non, je crois qu'on n'a pas réussi à toutes les ouvrir à temps. La marée ramènera peut-être les caisses manquantes. On viendra vérifier plus tard et on réessayera. Mais quel travail d'équipe! Nous pouvons nous féliciter réciproquement. Travail d'équipe? T'as pas ouvert une seule caisse? Non, j'en ai détruit quelques-unes. Au moins, j'ai obtenu un nouveau morceau pour la balise. Bon ben, merci. Salut le zèbre! Ces tortues me causent des problèmes. Elles font tomber les fruits de mon arbre. Je leur ai demandé d'arrêter, mais ça n'a fait que les encourager à continuer. Tu peux t'en charger pour moi? Pas de souci. Ces tortues ne vont plus t'embêter très longtemps, toi et tes fruits. Je vais leur faire une offre qu'elles ne pourront pas refuser. Oh, génial. Merci mille fois. Tu veux dire que tu vas leur botter les fesses, c'est ça? C'est ça.
Tu as réussi ? Ces tortues n'ont rien vu venir. Prends ce morceau pour la balise pendant que je reste là et que je m'empiffre, d'accord ? Tu veux te battre ? Tu dois être fou ! Ma technique est la meilleure. Ton style est faible et insuffisant. Mes élèves peuvent te vaincre. Tu as vraiment cet accent ridicule ? Non, bien sûr que non. Mais tu perdras quand même. Numéro 1, bats-le. Hein ? Bon, numéro 1 était nul de toute façon. Numéro 2, élimine-le. Hein ? Bon, numéro 1 était nul de toute façon. Numéro 2, élimine-le. Ouais, je vois que tu as battu mes élèves. Ta technique n'est pas aussi faible que prévu. Mais maintenant, tu dois battre l'ennemi ultime. Ta technique est impressionnante. Tu m'as battu. Maintenant, Gloria, je crois qu'on doit parler d'un petit bisou. Oh oui! Tends tes lèvres et ferme les yeux, tu vas faire une expérience extraordinaire. Psst! Melman, vas-y! À question! Qui sait où ce groin a traîné? Imagine que c'est une cacahuète géante. Et puis, je te revaudrai ça. Oh, bébé, ça, c'est un bisou. Je vais avoir du mal à oublier cette image. Moi aussi. Bon, c'est fini maintenant. Alors, on attend ici ou... Eh, Marty, ça va? Je ne peux pas partir sans Alex. Mais Marty, il a essayé de te manger. Je l'ai sûrement mérité pour nous avoir entraînés dans cette histoire. Et puis... Je veux bien supporter 1000 morsures dans l'arrière-train pour sauver mon pote. Bon, 100 morsures. 10. 3. Tu peux rester ici pour surveiller. Je vais chercher Alex. Tu ne sais même pas où il est. Je trouverai de l'aide. À plus. Morte, écoute. Je ne peux pas quitter cette île sans Alex, et je n'ai pas beaucoup de temps. Tu peux me dire comment le rejoindre rapidement? Tu vas essayer la route des crapauds? Elle me mènera vite à Alex? Non. En fait, c'est plus long et c'est plein de crapauds. Des tas de crapauds! Il y a le passage des pommes, sinon, si t'aimes les pommes. Je me fiche des pommes et des crapauds! Je cherche Alex, mon ami, le lion! J'ai besoin que tu te concentres, morte! Est-ce qu'il y a une route rapide? Eh ben, si tu veux y arriver très vite, je crains que ta seule chance soit d'emprunter le sentier d'où on ne revient pas, là-bas. Eh ben, ça promet. En fait, le nom est trompeur. C'est plus un chemin qu'un sentier, en fait. C'est pas la question... Et tu seras ravi d'apprendre qu'il n'y a ni pommes ni crapauds. Bon, eh bien il faut essayer le sentier d'où on ne revient pas. Allons-y. Si tu veux rejoindre Alex à temps... Il va falloir respecter un timing très serré. Dépêche-toi d'arriver au point de contrôle ou... Il se pourrait que je n'y sois plus. Comment ça? T'as des projets pour ce soir ou quoi? Non, mais les autres créatures de la jungle pourraient avoir envie de manger les petits animaux isolés qui ne bougent pas assez vite. Compris. Je ferai vite. Hé, hey, Marty, j'ai trouvé l'entrée de cette grotte, juste là. Ouais, je vois ça. On devrait peut-être entrer alors.
Waouh ! J'avais exactement la même idée ! Il y a une vraie synergie entre nous, hein ! Tu sens ? C'est vraiment terrifiant. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac, Morte. Qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous vouliez vous frayer un chemin. Eh bien, je pourrais vous aider à dégager la voie, mais j'ai besoin de vitamines. Que veux-tu qu'on fasse ? Qu'on aille à la pharmacie t'acheter du B12 ? Quel B12 ? Je parlais de fruits. Et cet arbre en est justement plein. Mais cette araignée là-haut les fait tomber. J'ai essayé de rebondir sur ces champignons pour prendre de l'élan et attraper les fruits avant qu'ils ne s'écrasent par terre. Mais il semble que ma corpulence soit un obstacle. Intéressant. Alors tu as besoin de quelqu'un de petit, capable de rebondir et d'attraper les fruits avant qu'ils ne s'écrasent ? Hé, Morte, tu connaîtrais pas quelqu'un des fois ? Je ne vois pas. Ah ! Tu parles de moi ? Non, je parle de cet animal poilu et épouvantablement mignon qui est en face de moi. Allez, on y va, le temps presse ! Oh, et évite les durians. Comme la plupart des gens normaux, je déteste ces trucs. Ne prends que les cerises, les citrons, les oranges, les bananes et oh, une pomme ou deux aussi. Va plus vite et fais attention aux araignées qui tombent. J'ai réussi ! C'est fou ! J'ai réussi ! Ok, voyons comment tu t'y prends. Hein ? Ah oui, oui, regarde ça. C'est tout ? Tu n'as fait que pousser un rocher ? C'est pas un cul-de-sac ! D'ailleurs, je vais te botter ton gros derrière de facochère. Ton ami alors ? Tu ne devais pas le retrouver ? Ouais ! T'as de la chance cette fois-ci. Dans un malheureux accident de descente. Super! On avait justement besoin de plus de danger. Oh non 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 non! Cette descente n'est pas dangereuse du tout. Hans Plorkendorf a juste eu l'idée stupide de descendre dans un engin artisanal qui a immédiatement pris feu. Alors si on ne descend pas dans l'engin artisanal de Hans Plorkendorf, c'est bon? Absolument! Et pense à utiliser les sources naturelles pour te propulser plus vite. C'est facile! Regarde, tu descends et... vous connaissez l'histoire du... Je vais mourir! Hé, regarde-moi! Il y a une autre entrée de grotte! Ouais! Ils auraient dû appeler ça le sentier d'où on ne revient pas, avec plein de grottes partout! Très drôle! Parce qu'il y a... plein de grottes, tu... Ouais, j'ai compris. On y va. D'accord. Ouais. J'y pensais aussi. C'est encore cette synergie entre nous. Morte ! Comment as-tu fait pour arriver là-bas ? On était pourtant pile poil l'un à côté de l'autre. C'est l'histoire qui veut ça. C'est pas le moment de flancher, Marty. Tu dois simplement traverser cette zone pleine d'araignées tout seul et on pourra continuer. Hé, Marty, je crois savoir où se trouve Alex. Il est au-delà de ces grottes. Tout ce que Donc, tu dois... Mais que... Hé, rends-moi mon ami tout petit. J'en ai besoin pour trouver mon ami tout gros. Et je ne pense pas que t'aies encore envie de te battre. Ah, ouais. La dernière fois, j'ai essayé de me battre en vain. Cette fois, j'essaye un truc nouveau. Je vais avaler Morte. Je ne peux peut-être pas te battre, mais je suis rapide. Essaye d'atteindre le bas de cette pente le plus vite possible avec moi. Le premier en bas pourra manger Morte. On m'a dit qu'il avait un goût de poulet. Vas-y! Tu as été le meilleur!
je ne dis plus rien et je te rends morte. Mais pourrais-tu me donner une autre chance? Non. Marty, tu vas sauver! Ça a dû être horrible dans la gueule de ce croco. Oh, ça allait! J'ai été dans des bouches bien pires que celle-là. Ok. Alors, sais-tu où est Alex? Oui. Tu dois simplement descendre dans ce tourbillon. Mort, dis-moi que tu plaisantes, là. Même si je survis à ce tourbillon, je ne vois pas bien où ça peut m'amener si ce n'est peut-être au fond de l'océan. Non, 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 ça marche. Crois moi. Et t'en as pas assez de parcourir des grottes? Ça, c'est bien plus amusant. Il te suffit de sauter et de penser à des choses joyeuses. Bon, je suppose que ce n'est pas plus absurde que tout le reste dans cet endroit insensé. On y va! Alex, j'arrive! Dire que j'ai mordu Marty! Je ne sais pas ce qui m'est arrivé! Wow! Pas cool, les voisins! Allez, quoi? Il n'y a pas moyen de s'entendre? Je me sens très seul! Salut, en bas! Les pingouins? C'est un approvisionnement aérien, compagnon! Prends ces cartes pouvoir pour augmenter ta puissance d'attaque! Bonne chance, nous allons sécuriser le périmètre! Wow! Des griffes! Regardez ces merveilles! Ah, c'est super! Je suis coincé, et maintenant je dois éliminer le chef Fossa! Que fait-il avec tous ces durians? Je n'y crois pas, il est en train de les manger! Ces trucs ont un goût infect! Super! Il n'y a pas de sortie ici! Les griffes, je compte sur vous! C'est vrai? Je suis encore le roi! Prends ça, fossa de malheur! J'arrive! Alex! Ça t'apprendra à embêter le zèbre! Marty! Qu'est-ce que tu fais ici? Je te sauve, ça se voit pas? Ouais, bien joué! Je suis content de te voir, Marty! Ah, je propose qu'on attache ce crétin et qu'on le refile aux pingouins. Ils sauront comment le garder en sécurité. Les géants! Nous sommes encore pleins d'ingratitude envers vous! Non, de gratitude. C'est ce que j'ai dit! J'ai appris à vous apprécier, les petits gars. Moi aussi. Mon système immunitaire s'adapte peu à peu aux acariens de votre fourrure. Leur chef étant battu, notre peuple peut piller tout ce qui est comestible en territoire Fossa. Que la fête pour les préparatifs de la fête en l'honneur de nos libérateurs commence après la... Pré-fête de la fête pré-fête. C'est bon d'être à nouveau ensemble. Géant, vos amis attendent. Un travail très impressionnant, soldat. Ouais, merci à vous. Mais je croyais que vous deviez vous dandiner jusqu'en Antarctique. L'Antarctique, c'est rien qu'un gros glaçon. Ah, je crois qu'on arrive à point nommé. Content de vous rencontrer, les Acariens. Les Lémuriens. Eh bien, Maurice, tout le monde est content. J'ai encore sauvé la mise. Bien sûr, votre majesté. Ah,
le secteur sud. Yo, hey, super! Des cartes pouvoir! Je parie que si j'en ramasse assez, j'aurai des nouvelles capacités. Il est rigolo. Maintenant, donne des coups dans ces portes. Appuie sur attaque pour les ouvrir. Ne t'approche pas trop! Hiya! Prends ça! Vous voulez ma photo ou quoi? Je vous présente le roi de New York en personne, Alex le Lion! Vous allez voir un sacré spectacle aujourd'hui! Hé! Hey, tu dois trouver tes trois cartes pouvoir! Tu devrais réussir à sauter plus haut. Lorsque tu es en l'air, appuie à nouveau sur saut pour sauter encore plus haut. Maintenant, saute dans les anneaux arc-en-ciel. Le public adore ça. Écarte-toi, Jimmy. Quel arc ? Le propriétaire de la berline blanche immatriculée 5WX... Eh, hey, mais c'est ma voiture ! C'est toi le roi ! Ne laisse pas ces rats volants te faire penser le contraire ! Comment dire? Ces gens savent reconnaître le vrai talent. Je vous présente le roi de New York en personne, Alex le Lion. Sale pigeon, pourquoi ruiner une si belle journée? Bienvenue, bienvenue, bien... Si je crève assez de ballon, j'aurai une voix rigolote. Je crois pas. En fait, oublions tout ça. La course est annulée. Partez! Bon, je vous l'accorde. C'est pas très féminin, mais je peux faire une roulade en appuyant sur attaque. Impossible d'arrêter! Ces piments forts vont te mettre le feu. On va gagner, les filles. Ça brûle, c'est bon. Encore un tour. Tes efforts sont inutiles, Hippo. Je vais te dépasser. Hors de mon chemin. Avec toute cette énergie, tu peux envoyer valser quelques bottes de paille pour trouver un raccourci.
es battu, l'hippopotame. Agenouille-toi. Va falloir botter l'arrière-train pour te faire bouger. Je connais un raccourci juste ici. Melman, appuie sur A4 pour te débarrasser de ces saletés. Sauf si t'aimes les microbes. Je hais les microbes. Maudit volatile! Des infections sur pattes avec des ailes et des becs! Oust! Oust! Vous êtes plein de maladies! Maintenant, suis-moi chez Darnell, notre premier agent. Oh, Marty! Bon travail. Maintenant, récupère les autres cartes pouvoir auprès des deux autres agents. Va voir les autres agents, Marty. Le chameau et le rhino. Bravo! Attention, l'oreiller, attention! Hey! Ne te décourage pas, Marty. Ils ne peuvent pas nous garder ici pour toujours. Sois prudent. Oh, yeah! Ça fait du bien! Viens par là. Eh, maintenant que t'as la capacité de ramper, tu devrais sans doute retourner voir ton ami pingouin. Rampe à travers ce trou. C'est génial! Maintenant que tu as la clé, suis-moi jusqu'à la porte jaune. Utilise les clés sur les terminaux pour ouvrir la porte. Bienvenue dans le secteur, autruche, mon ami monochrome. Il y a une porte vers le secteur singe par là, à 3 heures. Va parler à ces grosses bébêtes. Elles savent peut-être quelque chose. On se retrouve à la zone de tropage. Attention! Oh! Vite! Prends ça! Sois prudent! All right.
Psst, Marty. Maintenant, suis-moi et rampe jusqu'au secteur oiseau. Oh, yeah! Ça fait du bien! Grâce à ta capacité à ramper, tu peux te faufiler derrière les haies en évitant de te faire repérer par les gardiens. Je serai de l'autre côté de cette cage à oiseaux. Attention! Attention, l'oreiller, attention! Prends ça! Attention, l'oreiller, attention! Sois prudent. Ça fait du bien. Vite ! Prends ça ! Ça fait du bien. Vite ! Bon, comment ça marche ces machins ? Ça, c'est encore une bande sonore qui fait du bruit. Attention! Bon, comment ça marche ces machins? Je devrais sûrement revenir à mon poste. Non. Je vais rester là. Attention, l'oreiller, attention! Mais je ne sais pas comment ça s'éteint. Ils me prennent pour qui? Un ingénieur de la NASA? Ça, c'est encore une bande sonore qui fait du bruit. Sois prudent. Oh! Vont-ils se débarrasser de ces stupides bornes? Ça, c'est encore une bande sonore qui fait du bruit. Attention!
surveiller. Attention. Jamais vu ces gars dans le coin. Ah, ça c'est... Ah. Hé, hey, doucement. On doit arriver à la gare centrale avant que Marty ne parte pour le monde sauvage. Ça doit certainement être par là. Hippopotame ? Girafe ? Mon Dieu ! Il fait quel temps tout là-haut ? Et vous, le cuir gris c'est hyper démodé, je vous signale. Et ça vous boudine ? Hors de question de monter dans le train dans ce... Non, c'est toi qui as choisi le film. Bon sang! Capturez cette bête! On paralyse d'abord. On interrogera après. Ah, je ne suis pas entraîné pour ça. Arrêtez ce lion. Allons-y, allons-y. Il est cuit. Renfort demandé. Capturez cette bête. Capturez cette bête. Allez, allez. On paralyse d'abord. On interrogera après. Tu n'auras pas de sucrerie ni de cacahuètes. C'est toi qui as choisi le film. Bon sang! Je ne savais pas que les lions étaient si mignons. On ne voit pas ça tous les jours. Parfois oui, mais pas tous les jours. Je déteste ça. Thank you.
Je vais t'avoir. Hey, il faut que je me débarrasse de ces types. Ok, utilisons mon derrière rebondi. Appuie sur saut une fois, puis à nouveau quand je suis en l'air pour créer un tremblement de terre. Ça m'a l'air faisable. Juste un peu embouteillé. Allez les gars, je l'ai eu. Hey ! Allez les gars, je l'ai eu. Attrapez-la. Vous savez qu'il faut une autorisation pour... Je ne me laisserai pas faire. Attrapez-la. Attrapez-la. Hey. Pas bouger. Je suis policier. Pas bouger. Je suis policier. Hey. Capturez-la. Hey, doucement. Votre permis et les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Gloria n'aime pas ça. Non, non. Hippo en approche. Hey ! Impossible d'arrêter. Nous y revoilà. Vous savez qu'il faut une autorisation pour débouler dans les rues comme ça ? Je vais avoir des ennuis si je ne reste pas au-dessus de la chaussée. C'est dangereux en bas. Je dois récupérer les trois cartes pouvoir pour activer mon mouvement hélicoptère. Oh, c'est la bonne. Il y a au moins 8 millions de virus dans cette ville. Oh, c'est la bonne. Des millions de gens marchent ici chaque jour. Bleh. Mon mouvement hélicoptère, je peux utiliser les conduites vapeur pour m'élever. Des millions de gens marchent ici chaque jour. Bleh. Qui peut vivre dans cette crasse ? Marty, tout est de ta faute! Qui peut vivre dans cette crasse? C'est quoi ça?
Attrapons-le. Hey, si je veux voir une grosse bête, je vais voir ma belle-mère. Les gros chiens doivent être tenus en laisse. On laisse des voitures. C'est horrible. Je ne supporte pas la douleur. Une vache avec un grand coup. Ok, Marty. C'est officiel maintenant. Je te hais. Des millions de gens marchent ici chaque jour. Lequel est sous le vent déjà? Bâbord ou tribord? Je devrais rester en bas en sécurité. Quel idiot! J'ai oublié mes lunettes à la maison! Chez moi, j'avais la clim, un billard, je pouvais manger des cacahuètes au lit, la totale quoi. Je me demande ce qui se passe chez moi. J'espère que ma fiancée se souvient. Prends son tranquillisant, c'est notre seule chance. Attention, ça pique! Je vais vous canarder! Vous allez... Ouh. Je vais vous canarder! Vous allez voir! En trois mots, vous savez ce qu'on fait avec les canards chez moi? Du foie gras! Je suis touché! Il faut partir en éclaireur pour trouver un point de ralliement et nous rappeler. Camarade, aidez-moi! Prends son tranquillisant. Attention, ça pique! Les doigts dans le nez! J'aime bien avoir le... Ouf. Vous ne pouvez rien faire! C'est moi le chasseur! Je suis touché! Saleté de volatile puant! Cette manchot ou quoi?
Ces mangues ont la taille idéale pour être lancées. Je pourrais peut-être m'en servir contre ces andouilles qui essaient de me faire mal. Des araignées ! C'est pas mon arachnide préféré. Californiens sont moins sympas que ceux de chez nous. Pourquoi les crabes sont-ils toujours aussi énervés? Il y a des fleurs partout. Melman va détester ça. Attention, très cher. Mes abeilles sont un peu espiègles avec les étrangers. Alors ne traîne pas trop pour les amener aux fleurs. Amène-nous aux fleurs. Des fleurs, ouh. Amène-nous aux fleurs. Des fleurs. Ouh. Amène-nous aux fleurs. Vite, sinon on te pique. Je dois vite trouver une fleur. Oh. J'espère que je n'aurai pas d'allergie. Amène-nous aux fleurs. Vite, les fleurs. Ouh. J'espère que je n'aurai pas d'allergie. Je ferais mieux de me ressaisir, sinon je suis cuit. Je parie que si je mange cette plante, mon rugissement sera terrible.
champignons. Les champignons. 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 De me ressaisir, sinon je suis cuit. Sa chance à ce zoo, mais maintenant je n'en peux plus. C'est l'enfer ici. Ça, cet endroit est un cauchemar. Vous feriez mieux de rentrer dans votre cour. Oh, je ne sais pas si je vais résister encore longtemps. Des anguilles? Pas électriques, j'espère. J'ai toujours profondément détesté les stalagmites. Tu dois suivre le rythme. Il y a de la fête dans l'air. Je devrais donner un peu plus de coups de patte ici. Tu as quatre pattes. Tu devrais pouvoir aller plus vite, non? Je devrais vite rejoindre ces lémuriens. Les fossas ne semblent pas être dans le coin. Ah non! Des araignées qui tombent du ciel maintenant!
Avance, Marty! Oh oh! Les immondes araignées des grottes aquatiques! Je devrais peut-être donner un coup de patte dans ces stalagmites. Oups, j'ai trop parlé. Je ferais bien d'être plus prudent à l'avenir. Les zèbres ne sont pas faites pour nager dans l'océan. Fais-moi sortir de là! Certains rochers semblent un peu instables. Des araignées géantes. Mais bon, ça vaut mieux que des scorpions géants, non? Ces stalactites ne semblent pas très solides. Oh non! Maintenant, il va falloir que je remonte tout en... Où se trouve le bureau des plaintes ici? Oh! Hé! Hey, ça va pas la tête? Je ferais mieux de surveiller ces gars-là. Hé! Hey. Je ferais mieux de me ressaisir, sinon je suis cuit. Ces fossats sont très grossiers. Même pour des étrangers. Quel genre d'établissement traite ses clients de la sorte? Je me plaindrai au service clientèle. Je me demande... Protège les lémuriens! Wow! Un peu plus et ils étaient dans la rubrique nécrologique du journal. Bon, Alex!
Décidément, ce n'est pas une station balnéaire. Où avais-je la tête? Prends ça, fossa de malheur! Les gars, vous avez vu que les fossas sont juste au-dessus de nous? Ces fossas sont grossiers, mais aussi méchants! Hé, hey, les fossas, c'est quoi votre problème? Wow, un peu plus et ils étaient dans la rubrique nécrologique du journal! Décidément, ce n'est pas une station balnéaire! Encore un bout de chemin! Alex, il nous sauve chez nous! Nous! Un vrai héros, Alex! Les gars! Oh! Je ne sais pas si je vais résister encore longtemps! Entre ces arbres se trouve un jardin où poussent les plus belles carottes. Elles seraient parfaites pour notre festin. À toi, Marty. Je vais prendre un bain de boue. C'est excitant, ça, Gloria. Enfin, pour toi. Tu vas leur régler leur compte, hein, mon gars? Mais à qui? Pourquoi faut-il toujours courir des dangers? Gloria, si seulement tu avais pu me voir! Ouais, Melman, tu es le roi de la jungle, on sait ça. Ne marche pas dessus, pitié! Oh!
Alex, mon ami. Oui, Gloria, je serais ravi de prendre le relais. J'aimerais t'aider, mais c'est tout simplement impossible. Les plus gros ne sont pas les plus malins. Recommence. Je voudrais attirer... Reproduis les motifs du champignon. Je crains que ce travail ne soit pour toi, Alex. Ta mémoire te fait défaut. Je voudrais attirer ton... Reproduis les motifs du champignon. Je m'excuse de ne pas t'aider davantage, mais c'est une chose que tu dois faire tout seul. Continue, ne relâche pas ton attention. Je crains que ce travail ne soit pour toi, Alex. C'est comme ça, c'est tout. J'aimerais t'aider, mais c'est tout simplement impossible. Des noix. 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 Des noix, 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 des noix. Des noix, des noix, des noix, des noix, des noix, des noix. Gloria, si seulement tu avais pu me voir. Ouais, Melman, tu es le roi de la jungle, on sait ça. Peux-tu te dépêcher? Merci, bébé. Là, on se comprend. C'est encore mieux. C'est la meilleure. Comme ça, ça marche. Ah, alors tu veux me défier au saut, c'est ça? Tu crois pouvoir sauter plus loin que moi, c'est ça? Je n'ai jamais parlé de concours de saut. On ne s'est même jamais rencontrés. Mais, puisque t'en parles, ouais, je crois que je peux sauter plus loin que toi. Ah, alors qu'est-ce que tu dirais d'une petite compétition, hein? Si tu me bats, je te donnerai des fruits de grenouille. C'est un super cadeau, ça. Et, bien sûr, si je gagne, je dirai quelques mots bien sentis, juste pour t'humilier.
Ça me semble un bon marché. Voyons ce que tu vaux, petite grenouille. Je t'ai peut-être sous-estimé, le zèbre. Tu as la pêche, oui, ça c'est bien vrai. Mais c'était seulement le premier saut. Voyons si tu réussis le suivant aussi bien. Je vais te confier un petit secret, mon ami. Tu n'as toujours pas vu mon meilleur saut pour l'instant. Je t'ai ménagé jusqu'à présent, c'est ça. Mais ça va changer maintenant. Bon, c'était bien tenté, mais c'était un peu court, jeune homme. Si tu veux faire un nouvel essai, tu peux retenter. Ah, il semble que je t'ai mal jugé, étranger. Tu es sacrément en jambes, oh. Tu mérites un peu de fruits de grenouille pour tes efforts, et je suis là pour t'en donner. Il y a une petite caverne après le canyon là-bas. Elle mène à une grotte souterraine où pousse le rarissime oignon de grotte. On en a besoin pour préparer le sublime délice d'exquise friture. Oignon. Oignon. Oh, j'ai si faim. Et ils n'ont que des légumes ici. Oignon. On n'attire pas les lions avec des oignons, les gars. Oignon. 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 Ce n'est pas vraiment cruel de devoir chasser ma nourriture. Oignon. 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 C'est incroyable de me faire travailler comme ça. Ils ne savent donc pas qui je suis. J'aimerais beaucoup avoir un ananas bien juteux au banquet. Je crois qu'on peut en trouver un dans un arbre tout proche. Il faut savoir sauter très haut pour l'attraper. Plane jusqu'à cette plateforme là-bas. Je ne peux pas jeter des objets propres. Des savons antibactériens, par exemple. Thank you.
Même si j'adore me plaindre, je dois avouer que j'aime bien lancer ces noix de coco. Joli tir, long coup. Trouve un autre tas de durian et bombarde la colonie suivante. Deux détruits, il en reste deux. Va au prochain tas de durian et sois méchant. Eh, ça arrive. Encore un coup et c'est la fin. C'est sûr cette fois. J'aurais dû mentionner mon acrophobie avant d'accepter de faire ce truc. Si je grimpe plus haut, le risque d'œdème pulmonaire augmente prodigieusement. Si
un seul de ces... C'est... chose dont je voudrais te parler. Du steak! Du steak! Je veux du steak! Ah! Enfin, on va jouer! Personne ne peut survivre à une telle douleur. Il y a une chose dont je voudrais te parler. Alex, te laisse pas aller comme ça. Oh! Du steak! Du steak! Alex est devenu complètement fou! Ça ne s'attrape pas, ça, hein? Morte! Il y a une chose dont je voudrais te parler! Alex, te laisse pas aller comme ça! Redeviens... pas fou, quoi! Morte! Il y a une chose dont je voudrais te parler. Ouh là là! Morte à... Morte! Descends et viens jouer. Morte! Je n'aurais jamais cru qu'Alex serait le premier d'entre nous à devenir profondément psychotique. Morte! Il y a une chose dont je voudrais te parler. Alex est devenu complètement fou. Morte! Ça ne s'attrape pas, ça, hein? Si tu pouvais m'accorder quelques minutes. Viens, Morte! Je veux juste jouer. Enfin! Ah, ne m'obligez pas à supporter ça. J'ai assez de problèmes. J'adore avoir des invités pour... Viens, Morte. Je veux juste jouer. Alex, te laisse pas aller comme ça. Redeviens... pas fou, quoi. Du steak. Du steak. Je veux du steak. Morte. Ah, il y a une... Morte. Enfin. Alex est devenu complètement fou. Ça ne s'attrape pas, ça, hein? Enfin, il est temps de jouer. Oh, ne m'oublie.
Et j'ai pas à supporter ça. J'ai assez de problèmes. Morte ? Il y a une chose dont je voudrais te parler. Alex est devenu complètement fou. Ça ne s'attrape pas, ça, hein ? C'est pas de la rigolade là-bas. Ça ira pour toi ? Seul un professionnel devrait effectuer ce genre de cascade. Mais tu sais que je ne peux pas aller dans l'eau, je suis hydrophobe, enfin! Appuie sur action pour charger la puissance et relâche pour lancer. Yahoo! Yes! Vite, Melman, il en reste encore deux. Yes! Fais attention au dernier. Tu dois faire un tir long. Yahoo! Yes! Joli tir. Ça devrait aller. Maintenant, prends ton morceau de balise. Un morceau de balise? Je l'ai! Gloria, si seulement tu avais pu me voir. Ouais, Melman, tu es le roi de la jungle, on sait ça. Faut pas me chercher. Mmh, voilà ce que je voulais dire. Et ça, viens voir Gloria. Croyez-moi, ça pique plus qu'une cacahuète. Ouch. Fini les pinces sans rire. On touche avec les yeux. Thank you.
C'est ça, viens voir Gloria. Écoute, j'adore les bains comme toutes les filles. Où sont passées les gentilles tortues d'autrefois? Vous avez trouvé quelqu'un à votre hauteur? Enfin, un peu plus grand que vous en fait. Qu'est-ce que... Ces carapaces sont faites pour les coups de pied. Attention! Où sont passées les gentilles tortues d'autrefois? Fais gaffe! Je suis pas une mauviette de documentaire animalier, moi! Je ferais bien de faire plus attention maintenant. Ne cherche pas, mon pote. Non! Maintenant, c'est au tour des crocodiles? Tu veux te... Arrière. Hey. Ho 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 ho.
Arrière. Normalement, je ne m'en prends pas aux fleurs, mais celles-là ont l'air spéciales. Tout ce monde sauvage, c'est pas aussi sans ça que je pensais. Attention! Aujourd'hui. Adieu, Bulbur!
Tu es trop lent, mon ami. De quoi fouetter un chat. Il me fait... Que fait-il avec tous ces durians? Je n'y crois pas, il est en train de les manger. Ces trucs ont un goût infect. Yeah.
C'est vrai? Je suis encore le roi! Prends ça, fossa de malheur! Ça t'apprendra à embêter le zèbre! Marty! Qu'est-ce que tu fais ici? Je te sauve! Ça se voit pas? Ouais! Bien joué! Je suis content de te voir, Marty! Ah! Je propose qu'on attache ce crétin et qu'on le refile aux pingouins! Ils sauront comment le garder en sécurité! Les géants! Nous sommes encore pleins d'ingratitude envers vous! Non, de gratitude. C'est ce que j'ai dit. J'ai appris à vous apprécier, les petits gars. Moi aussi. Mon système immunitaire s'adapte peu à peu aux acariens de votre fourrure. Leur chef étant battu, notre peuple peut piller tout ce qui est comestible en territoire Fossa. Que la fête pour les préparatifs de la fête en l'honneur de nos libérateurs commence après la... Pré-fête de la fête pré-fête. C'est bon d'être à nouveau ensemble. Géant, vos amis attendent. Un travail très impressionnant, soldat. Ouais, merci à vous. Mais je croyais que vous deviez vous dandiner jusqu'en Antarctique. L'Antarctique, c'est rien qu'un gros glaçon. Ah, je crois qu'on arrive à point nommé. Content de vous rencontrer, les Acariens. Les Lémuriens. Eh bien, Maurice, tout le monde est content. J'ai encore sauvé la mise. Bien sûr, votre majesté.